Eh bien salut à toi YouTube, salut à toi Twitch, bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Du coup aujourd'hui on va continuer les événements, on va commencer par continuer du coup l'événement Richesse Perdue. Voilà, désolé YouTube, ça a pris un peu de retard. Déjà que l'épisode 1, bah, la première zone elle a pris un jour de retard, voilà. J'ai même pas fait le 2, le 4 est déjà sorti. Déjà que la 1 a pris, j'ai sorti un jour plus tard que ce que je pensais, que ce que j'avais dit. Et en plus là, voilà, ça fait quand même 3 jours qu'il y en a à faire. Du coup, je sais pas si on va faire, genre là, si aujourd'hui, on va faire que l'épisode 2. On verra, je verrai en fonction du temps de la vidéo. Parce que du coup, la première vidéo, elle avait pris un peu de temps quand même, en vrai de vrai. Elle avait quand même pris 15 minutes. Après, on avait un peu découvert comment c'était. Du coup, je sais pas si on va faire les deux. Mais, si on va faire les deux. Mais au moins, on va faire la 2. Hein, voilà. Du coup, faut aller au champ de... Visuda, ok, c'est vers le désert, je vois où c'est. Ok, du coup nous sommes arrivés dans la zone. Du coup nous sommes, voilà, tout en haut à gauche de Sumeru. Voilà, vous voyez, c'est tout en haut à gauche. Moi je vous conseille d'activer ce TP là, c'est un peu chiant pour y aller. Mais au moins une fois que vous avez activé, au moins vous pouvez sauter un peu partout dans la zone. Parce que ce TP là est en dessous, lui aussi je crois qu'il est en dessous. Lui il est au dessus, ce TP là est en dessous, cette statue je crois qu'elle est en dessous. Ce TP là il est en dessous, voilà, du coup ici, vous activez celui là comme ça une bonne fois pour toutes, comme ça au moins ici. Que quand même pour l'instant c'est un peu d'exploration. Bah au moins, en plus il est tellement sur une hauteur que si vous voulez aller sur quelque part, bah vous avez juste à sauter et vous y allez assez facilement sans devoir à grimper tout plein de trucs. Enfin, vous voyez, il y a des petites montagnes et tout. Mais du coup on y est. Du coup on peut mettre la fille sur notre main. Ah, des bonbons. Moi je trouve que ça ressemble à des bonbons. Donc on en a. En plus hier je me baladais dans la zone et je trouvais ça bizarre. En fait je me disais, mais c'est quoi cette zone orange? Et orange jaune, du coup je me disais bah, c'est bizarre. Ouais, on a pris le bonbon. Non, on va déjà les déterrer. Attends, on va par où? T'as essayé là? Il y a l'air d'en avoir pas mal, hein, qu'on va monter. Faites pas attention à mon équipe parce que du coup c'est des persos que, genre Sarah et Bédou, c'est des persos que j'ai probablement joué prochainement. Et du coup j'essaie de m'entraîner avec les persos, de bien jouer, du coup c'est des persos que je n'ai jamais joué. Même si Sarah a laissé 6, hein, au bout de 2 bannières, c'est génial. Voilà, commencer le défi, ça va être des gens. Mais du coup, c'est un peu de m'entraîner à jouer avec eux. Du coup, évitez de me... Oh, vous pouvez m'insulter, mais ouais, voilà. Vas-y, tape-moi. Vas-y, voilà. Bon, elle a fait un peu de dégâts quand même, mais... Ah bah oui, immunisé, j'avais oublié ça. Bon, attends, on va juste faire ça. Oh, vas-y, ouais, il m'a tapé. Ah non. Bon, il va mourir comme ça. Là c'est bien que ça aurait été bien d'avoir Kazuha. On récupère les petites particules. Ok. Je sais pas si ça fait des dégâts. Ah, j'ai mal géré. J'étais un peu lent, vas-y, avec un peu de chance ça passe. Vas-y, crève. Voilà. Toi aussi. Et toi là-bas aussi. Ok, du coup avec eux c'est censé être bon. Pour finir le truc, il n'y a plus de mobs qui pop, ça va être les derniers. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on a le premier trésor sur 3. Donc ça, on le fera plus tard. On peut déterrer, on ouvre. On a donc nos sapex en scan. Ah, attends. Excusez-nous le bouquin. Ok, il y en a un là-haut. Bon, attends, un petit truc électro. Que dalle. Ah si, c'est bon. Voilà. Ok, il y en a un autre là-bas. Non, plus en bas. Non, on va prendre celui qui est un peu en hauteur. Que vaut mieux descendre que monter. C'est pas bizarre comme ça. Oh, il est là-bas. Oh, ouais. Hein, c'est fungus là-bas. Quel fungus? Ouais, oh, laissez-moi tranquille. Le testeur testé. Encore? Mais ça, c'est pas la suite. Attends, mais ça, c'était dans une quête monde, ça. Le testeur testé. Ça sort d'où? Il y a plein de petites quêtes comme ça que je vais devoir faire. Hein. Ah, ouais, ça sert à un spawn. Le bas machin, ouais, bon, je verrai ça dans mon coin. Non! Je voulais pas faire ça. Ah, ça, si, elle est où la bulle? Ah, je suis peut-être allé un peu haut. Non? C'est où? C'est là. Ok, et l'autre va être plus vers le bas. Ok, elle est sur le toit. On va pouvoir y aller. Grâce au petit truc, quand tu veux, tu peux faire R1. Nickel, du coup, on prend. Même pas en même temps. Voilà. Oh là là, le truc pour déterrer, il est tout là-bas. Sous les champignons, et ben c'était en forme de ressort. Ah, c'est pour ça qu'il rebondissait comme ça. Ah, j'avais pas vu que c'était en forme de ressort en dessous. D'accord, du coup, commencer, je suppose que c'est un contre-la-montre. Oui. Ok, on saute. Ouais.
Ok, après il y en a là-bas. Ouais, ça a l'air d'être les derniers, hein, non? Au pire, après il en restera un, mais ça me paraît bien pour finir. Alors, par contre, prends-le. Mais oui, c'est largement les derniers, on est d'accord. On est d'accord. L'autre, il était pas genre là. Toi, il n'y en avait pas un là? Ah, si, là. Voilà. Non, encore un. Ah, il s'est caché là, le. Oh, le. Oh, le petit. Le. Hein? Le canaillou. Voilà, cherchez le nom. Ah, il est en dessous. Et voilà, ça c'est fait. Du coup, il va nous rester le troisième et le dernier. Putain, il y a un bon, il est un peu au-dessus, vas-y, faut y aller. Ok, du coup, nous y sommes dessus. Un. Ah, il y avait un autre bonbon qui était loin là-bas. Putain, je crois que j'ai dû bouger une série de bonbons, moi. Faut que je fasse de la musique à côté de ça. Je vais me le marquer. Il va être en dessous, je suppose. Il est là. Voilà, et du coup, il va nous en rester un autre. Dis-moi qu'il nous en mette un autre, genre maintenant sur la carte, s'il te plaît. Ok, nickel. Du coup, faut un peu grimper. Il est vraiment au-dessus ou il est caché? Il a l'air d'être vraiment au-dessus. Du coup, on vole là. Et tac, planage. Et puis c'est bon, le corps, dis-moi qu'il est pas trop loin. Le truc a déterré. Ok, nickel. Après, j'avais une grosse dotif dessus au moment que ça spawn, quoi. Génial, j'adore. Du coup, on y vole. Et on va pouvoir finir la petite zone 2. On fait ça. On va mettre ça. Vas-y, tapez-moi. Faites-moi mal. Ouais, merci. Ah bon, pas ouf, hein, je sais. Mais je suis pas assez foufou avec Beidou. Après, bon, ça fait que depuis une petite session d'hier que j'y ajoute. Je vais être trop mal. Pour l'instant, sur R2, j'utilise trop mal. Ok. Ça. Vas-y. Et boum! Voilà, là c'est un beau tir. Bon, ça va. Après, je sais pas si ça. Après, pour 33 000 de dégâts, c'est bien. Mais est-ce que ça devrait faire plus? Parce que quand tu marques 33 000, moi je trouve c'est bien. Enfin, c'est même très bien, je trouve. Mais quand tu vois le peu de vie que ça a enlevé au fungus, est-ce que ça a tant de vie que ça en fungus? En vrai, c'est un peu de vie. Je me dis, est-ce que c'est si bien que ça? Je sais pas. Mais bon, on a fini la zone 2. Du coup, ça c'est bon. On a gagné une gentillesse du jardin d'Oasis. D'accord. Du coup voilà, on a fini la zone 2 et là ça fait déjà une dizaine, 10-14 minutes qu'on est sur la zone 2, du coup on va s'arrêter là, sinon ça sera trop long, c'est suffisant. Du coup j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo YouTube pour la zone 2 au champ de Visuda. J'espère que ça aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like ou l'abonnement, ça fera très plaisir. Le dislike si vous ne l'avez pas aimé. Je suis actuellement live sur Twitch quand je fais cette vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre, papotez avec moi, je m'en sens vous. Quoi que ce soit, n'hésitez pas, le lien est en description. Et si vous avez une suggestion, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Me dire ce que vous avez pensé de la quête, de l'événement en commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez. Si vous avez. Ah! J'essaie d'aller trop vite. Voilà, déjà un défaut. Voilà. Me dire ce que vous pensez de la vidéo. Genre si vous avez trouvé. Genre quelque chose que vous avez pas aimé, genre les montages, mon commentaire, la miniature ou quoi, n'hésitez pas à me dire pour que je m'améliore pour la prochaine fois, enfin surtout que je me calme. Et si vous avez une question par rapport au jeu, que ce soit sommaire ou pas, n'hésitez pas, le champ commentaire est à votre disposition. Merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté cette longue outro. Merci beaucoup d'avoir suivi, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde, plus plus. Attends, ça va pas là, hein. C'était compliqué là l'outro quand même.